Bonjour Tisotte, ben voilà, bienvenue sur ma chaîne, l'acheter du drawing painting. Là, on va parler de budget. Comme je vous avais fait voir dans un unboxing, comme quoi j'avais reçu des petits classeurs, un peu, oui voilà, et vous m'avez demandé que vous voulez bien voir ce que c'est exactement. Alors, ici c'est faire un budget au mois. Alors là, on appelle ça un Filofax. Moi, je les ai achetés sur AliExpress, celui-ci, celui-ci, et j'en ai deux autres. Là, on verra ça ensemble. Et il y a deux youtubeuses que je suis le plus, après je suis les autres, hein, mais c'est eux qui m'ont appris, on va dire, et je vous mettrai leur chaîne pour que vous puissiez, parce que si moi, je me fais pas trop bien comprendre, eux, ils vont... Pardon. Ils vous expliqueront en gros. Je vais vous faire voir comment j'ai géré mon mois de février parce que je ne vous ai pas fait à la semaine. Après, par la suite, toutes les semaines, vous enregistrerez, je vous ferai une vidéo, je veux dire, à la semaine, à la fin de la semaine, voir ce que j'ai pas acheté, mais ce que j'ai, oui, ce que j'ai acheté, puis ce que j'ai économisé. Voilà. Nous allons commencer par le Filofax. C'est le Filofax de la semaine. Alors, ici, nous avons un premier alimentation. Ça, on le retire. Hop, je vous mettrai après. Ça, c'est le mois. Alors, alimentation, moi, je mettais 70 euros. Voilà, c'était juste des exemples pour faire voir ma belle-sœur ce week-end. Alors, on a passé un super week-end ensemble. Après, je vous mettrai... la vidéo du de mon je sais plus comment ça s'appelle, bon c'est pas grave, je mettrai en écrit après, mais vous verrez une petite vidéo juste après ceci. Alors ici en tabac, je mettais 50 euros par semaine dans cette boîte, dans cette enveloppe pardon. Vous allez voir, il y a comment je vais remplir après le mois et après à la semaine. Cette semaine, j'ai économisé 15 euros. Alors, ensuite, le pain, il n'y a plus rien. Et on mettait 30 euros par mois. Et il n'y a plus rien. Ici, essence, on mettait... dans l'enveloppe du mois, je mettais 80 euros. Et à la semaine, 20 euros par semaine. Cette semaine, on n'a pas mis d'essence. Ça fait qu'on a économisé 20 euros. Entretien et hygiène. Là, on met 20 euros. C'est-à-dire que vous ne mélangez pas l'hygiène, entretien et hygiène. Ça peut être papier toilette, des produits pour l'entretien de la maison, dentifrice, shampoing et tout ça. Là, on a 5 euros. Voilà, ça c'est pour le mois, entretien. Après, défi 5 euros. C'est-à-dire que bah, dès que vous avez un billet de 5 euros, vous prenez dans votre enveloppe alimentaire comme moi le tabac, vous voyez, j'avais 5 billets de 5. Oui, 5 billets de 5. Comme je prends du tabac à tubé, bon, bah, souvent c'est dans les 13,90 €. À chaque fois que je donnais un billet de 20, bah, elle me rendait 5 euros. Et bah, j'en ai déjà mis dedans des semaines précédentes. Et ici... En défi, parce que dès que j'avais 5 euros, j'allais faire une course, j'avais 5 euros, je mettais dedans. Alors ici, j'ai économisé 10, 20, 30, 40, 50 et 60 euros pour le mois de février. Sur les 4 semaines, j'ai déjà plus ici ce que je vais mettre dedans. J'ai 60 euros. Et dès que vous avez un billet de 5 euros, vous les mettez dedans. Et j'ai encore rien noté parce que... Faut que je me remette. Et fonds de secours, c'est tout ce que j'ai économisé depuis le début de février. Alors, ici, j'ai économisé 120 euros. Mais au mois de mars, vous verrez les économies que je fais à la semaine, mes dépenses. Voilà. Alors, ici. Bon, après les enveloppes, ici, il y en a à la semaine, au mois dedans. Et ça, j'y touche pas. Si en cas où j'en ai besoin vraiment, j'ai une panne de voiture, ben, on tape dans le fond de secours. Ici, voilà, le Filofax de la semaine est terminé. Ici, ça, c'est le
le classeur du mois. Alors ici, alimentation, il n'y a plus rien. Désolé, il n'y a plus rien parce que on est en fin de mois et on termine et on remplira après pour le mois de mars. Tabac, il n'y a plus rien. Le pain, ben, il n'y a plus rien. Ici, essence, ben, il n'y a plus rien. Ici, entretien et hygiène. Ben oui, voilà, je disais, ben, il me manque des sous. Il me manquait 10 euros, mais c'est vrai que j'avais mis 5 euros dans. On mettait 5 euros par semaine à peu près. Et là, vous voyez, il reste encore 10 euros. Je les enlève. Alimentation animaux. Alors, nous, comme vous savez, j'ai des poules, j'ai Jade. C'est le chat qu'on a. Et ici, on avait mis 30 euros et on n'a utilisé que juste pour ses croquettes. Et là, normalement, on garde tout ça pour 30 euros. Après, on va chercher des graines, le foin et on a calculé à peu près. Voilà pour 30 euros par mois. Comme là, bah ici, ce mois-ci, comme on a commencé début février, j'ai commencé début février à faire ces enveloppes. Le mois d'avant, on venait juste d'aller chercher les graines et tout ce qu'il fallait fin janvier. Ça fait que là, j'ai économisé 25 euros. Ensuite, loisirs. Loisirs, dedans, dans cette enveloppe, je mets 100 euros. Et il reste 5 euros. C'est-à-dire que là, si par exemple, on fait se faire plaisir d'aller faire des courses. Un repas entre amis, tout ça, bah, par exemple, bah, on se le fait le midi, hein, parce que on peut pas le soir. Dernière fois, on a mis 30 euros et on a offert l'apéro. Alors voilà, normalement, il y a presque 20 euros qui me revient, parce qu'on me doit 20 euros de mes loisirs. Et ça va me revenir. Ici, santé, il n'y a rien. Vêtements, je n'ai rien mis. Là, ici, Noël, je n'ai rien mis non plus. Anniversaire, là, je n'ai rien mis non plus. Restaurant, je n'ai rien mis. Et vacances, je n'ai encore rien mis. Voilà. Ça va venir peut-être ce mois-ci, mais je vais voir comment je vais m'organiser pour les anniversaires, pour les Noël. Je pense que je mets 10 euros par enveloppe. Et ça sera pour les cadeaux. Voilà. Hein, les anniversaires, Noël. Restaurant, bon, ben, on peut pas y aller. Bon, comme ça, c'est tout à fait clair comme ça. Merci Covid. Après, nous avons ah, c'est sous l'enveloppe de la Française des Jeux. Alors, ici, monsieur, c'est une enveloppe l'autofoot. Il joue l'autofoot, il a droit à 40 euros par mois. Et ici, il lui reste, sur les 40 euros, il lui reste 2, 4, 6, non, 5, 6, 7 euros. Voilà. Ça va aller dans une tirelire que j'ai oublié de sortir et je vous ferai voir la tirelire après. Alors, FDJ, moi j'ai le droit aussi à 40 euros par mois, c'est mes grattages. Je prends 10 euros par semaine. Mais il n'y a plus rien et j'ai l'enveloppe à côté de moi et l'autofoot encore. Mais là, c'est on joue avec mon père hein, par semaine. Pareil, on joue 13 euros et il n'y a plus rien non plus. Voilà. Ça, on va les remplir aussi ensemble. Ici, on a le dernier classeur. Ici, ça, c'est où je mets le liquide. Et c'est des enveloppes à zip. Hop, vous voyez. Comme ça, l'argent ne s'enlève pas. Alors, monsieur, il faudra que je mette une étiquette ou marquer à la main. C'est l'étiquette de l'autofoot de ses gains. Il a gagné ce mois-ci 6,60 €. Début de la richesse. Moi, je n'ai pas fait de gain. Zéro. L'autofoot avec mon père, on n'a rien gagné, zéro. Ici, défi 5 euros. Comme là, tous les billets de 5 euros que j'ai mis de côté du mois de février vont venir dedans. Comme ça, dans le défi de 5 euros du mois de mars, tout va revenir là. Et je transférerai à la fin du mois de mars dans défi 5 euros. Ici, semaine 52, c'est une grande fiche qu'il faudrait que je vous montre. C'est pour faire des économies et je n'ai pas encore vraiment commencé, mais ça ne devrait pas tarder. Et dedans, j'ai mis mes stylos Velleda pour effacer à fur et à mesure de ce qu'on marque derrière les fiches. Voilà. Ici, les gains, on les laisse dedans. Ça, on n'y touche pas, on ne les met pas en épargne, on ne les met pas nulle part pour l'instant. Alors, voilà. Alors, ici, et là, on a récupéré beaucoup de billets de 5. C'est parce qu'une amie nous a payé quelque chose qu'elle a pris
en billet de 5, parce qu'elle fait des économies. Dès qu'elle avait un billet de 5, elle mettait ça dans une enveloppe. Et elle nous a payé en billet de 5. Alors, on a 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, de 60, 60, 60, 60, 60, 70, 80 € en billets de 5. Oui, je compte. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 €. Alors ça, ces 80 € vont partir dans des fils de 5 € qui seront dans le Filofax. Hop. Et ces 80 € je les rajoute aux 5 € que j'ai économisés du mois de février. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ça fait que j'ai 150 € en billets de 5. Là, hop. Ici, je vais mettre 100 €, je vais mettre un trombone. Dès que j'ai 100 € je mettrai un trombone pour... Alors ça ici, j'ai un chat dans la gorge. Non, c'est dans celui-ci. Défi 5 €. Là, je vais faire une fiche et je vais noter qu'il y a 150 €. Voilà. C'est ce qu'il y a eu. Ben, j'ai économisé 150 € de... Oui, 150 € de... billet de 5 en défi de 5 €. Ensuite, là, ici, nous avons les fonds de secours. Bon, c'est tombé, c'est pas grave. Il y a 120 €. Alors ici, plus les 150 € de billet de 5, ça fait qu'il y a 250, 270. Si je compte bien, oui, c'est ça. 270, ça je laisse ici. 270, plus ici nous avons 2, 4, 7, 277, et ici nous avons une tirelire. Vous voyez, dedans on met l'argent dans cette tirelire. Alors dès que vous mettez une pièce, hop, je vous fais voir. Et dès que vous mettez une pièce, elle met 1 €. Et on a économisé déjà 14 €. Parce que là, je viens juste de mettre 1 €. Là. Là, j'ai dû appuyer. Alors, il faudra que je fasse 1 €. Plus 2 €. Voilà. 22,05 €. Cette tirelire, je l'ai acheté sur Amazon. Après, vous irez voir. Et puis, s'il faut le lien. De toute façon, je vous mettrai les liens aussi de ce que j'ai acheté, le Filofax. Celui-ci, il n'est pas le même que Amazon, parce qu'Amazon, il est vraiment un peu plus cher. Là, c'est la monnaie que je mets, que je récupère de tout. Et là, c'est les sous que vous avez vu qu'il y a dans la tirelire. C'est tous les sous que j'ai économisés de la semaine en pièces. Alors, ici, vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Voilà. Alors là, je les mets dedans. Hop. Voilà, 22,21 €. Alors, plus 277, ben on est presque à 300 € d'économie pour le mois. Voilà, voilà. Alors ici, nous allons remplir le petit classeur des aliments de la... Hop, je vais prendre mon Velleda.
prendre le noir. Hop, là. Alors ici. Ici, dans la pochette, dans l'enveloppe alimentation, je vais mettre 280 euros pour le mois. Alors, 1, 2, 3, 4 et un 5. Ça fait 250. Hop, voilà, 280. Et je mettrai 70 euros par semaine pour nous trois. Moi, je mets comme ça et après je transfère par semaine. Tabac, 200 euros, 50 euros par semaine. 4, 5, 200, 1, 2, 3. Voilà. Il y a 200 euros. Oui, c'est ça. Là, le pain, on va mettre 30 euros. Parce que souvent, on va à la boulangerie, on n'est pas dans nos aliments. Essence, 80 euros. Voilà. 20 euros par semaine, comme monsieur travaille dans la ville même où on habite. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'essence à mettre pour la semaine. Et moi qui ne travaillons pas, je ne travaille plus. Entretien hygiène, 20 euros. Alimentation animaux, 30 euros. Ici, loisirs, non. Santé, non. Loisirs, ça viendra un peu plus tard. Noël, non plus. Anniversaire, non plus. Et restaurant. J'ai dû me tromper quelque part parce que normalement, il reste des sous pour. Là, j'ai mis. Alors, 100, 200, 280. Oui, c'est ça. C'est 70 euros par semaine. Il me manque 80 euros pour le. De toute façon, en remplissant, on verra bien. Il reste 10 euros de côté. On verra ça après. Alors, ici, je marque. Catégorie alimentation. Le mois mars. Ici, je fais dépôt. La date, on est le 28-02. Plus 200. 80. Alors, quand je vais enlever à la semaine, tout à l'heure, je vais venir remarquer retrait le telle date, moins 70 euros pour mettre dans l'enveloppe à la semaine. Ici, tabac. Tabac. Le mois de mars. Ici, dépôt. Le 28-02. Plus 200. Là, pareil, le pain. Là, c'est au mois, c'est pareil. Pain. Mars. Dépôt. 28,02. Plus 30 euros. Essence. Alors. Mars. Dépôt de 28,02 plus 80. Entretien hygiène. Mars. Dépôt 28,02 plus 20 euros. Oui, c'est ça. Oui. Animaux. Là, j'avais marqué. Ici, vous voyez, il faut que je la change. J'avais pris un stylo. Je pensais que ça allait s'effacer. Mais non. Alors, ici, ça, je peux le marquer. On verra bien
Alors, dépôt. 28 02 plus 30 euros. Voilà. Vous voyez, mais de toute façon, ça s'efface hein, correctement. Vous voyez, hop, c'est des Velleda. Hein. Big Velleda. Et après, loisirs, tout ça, il n'y a rien. Alors, ici. Alors, alimentation. Nous allons prendre. Hop, alimentation. On va prendre 70 euros. Là. Hop. Ici, on marque moins des retraits. Le toujours le 28, parce que on débute une semaine demain, moins 70 euros. Voilà. Et là, je mets 70 euros pour la semaine dans le Filofax. Là, ici, oui, c'était pour faire voir à ma belle-sœur. Des exemples. Hop. Alors, ici, dépôt. Le 28 02 plus 70. Voilà. Tabac. 50 euros. Pour la semaine. Ici, je vais enlever. Ben là, j'avais déjà marqué, oui. Alors ici, tabac, mars, dépôt, le 28, 02, plus 70. Le pain. Ben, le pain, je vais mettre 10 euros pour la semaine. Et après, la monnaie, de toute façon, elle restera dans le porte-monnaie. Voilà. Alors, attendez, je vous mets sur pause, je reviens. Oui, alors j'ai mis une coupure parce que ça me travaillait et il manquait des sous, vous avez vu. Alors c'était dans le tabac, j'avais mis plus. Bon, alors ici on était au pain. Hop, pain, j'ai rajouté mois de mars, dépôt, date, on est toujours le 28, 02, plus 10 euros. Voilà. Après, essence. Nous allons mettre. Alors, j'ai ce petit truc qui m'embête, je vais le pousser. Hop, voilà. Là, il y a 80 euros, c'est noté. Et là, je vais prendre 20 euros pour la semaine. Hop. Là, les 20 euros, il n'y en aura pas à la fin de la semaine parce que là, il faut que j'aille mettre 20 euros d'essence. Alors, dépôt. 28 02 plus 20 euros. Mois de mars. Essence. Voilà. Entretien et hygiène. Là, je vais mettre. Hop. Ça s'est bloqué dedans. Hop. Allez. Elle va dans le trou. Voilà. Alors, entretien. Mars. Hop là. Dépôt. La date 28 02 plus. Je crois que je vais mettre. Oui, je vais mettre les 20 euros. Et je sais que c'est pour mon mois. Plus 20. Après, nous avons alimentation animaux.
J'ai oublié de mettre une enveloppe ici pour alimentation animaux, mais je vais le laisser dedans. Je sais qu'il y a 30 euros. Hop, les 30 euros sont bien dans l'enveloppe. Alimentation animaux, 30 euros. Hop, 1, 2, 3. Voilà, c'est bien ça. Ça, je vais laisser dedans. Loisirs et tout ça. Après, je ne mets plus rien. Défi, on est à 0. Et ici, en fond de secours, nous avons. Il faut que je fasse. C'est juste pour faire voir aussi à ma belle-sœur. Hop. Fond de secours. Je vais marquer ici. Fond de secours. Je sais plus comment écrire. Oui, c'est ça, secours. Vous voyez, si j'écris en grand, il y a le mois de février, ça, c'était... Non, je ne vais pas marquer les mois parce que je vais les marquer au fur et à mesure les mois. Alors ici, j'ai fait un dépôt de 120 euros. Alors là, c'était pour le mois de février, je marquais février. Plus 120 euros. Voilà. Ici. Oui. C'est bien ça. Nous avons tout rempli pour la semaine. Alors j'ai mis un petit porte-clés pour faire joli avec mon Filofax. Et ça, je le garde tout le temps avec moi dans mon sac à main. Alors ici, il reste 60 euros. Et là, il me manque 20 euros. Je ne sais pas comment j'ai fait le mois dernier. Je pense que j'ai dû avoir un petit peu plus. Ça ici, c'est les enveloppes de jeu. Si on gagne, on met en épargne aussi. Il reste 60. Alors, on va mettre 40 euros pour monsieur. C'est 40 euros pour le mois pour ces jeux de l'autofoot. Alors, dépôt. On est toujours le 28-02 plus 40 euros. Et là, on déduira au fur et à mesure que monsieur prendra pour faire ses jeux. Après, moi ici, je me mets 40 euros aussi. Là, c'est FDJ. Mars. Plus dépôt. Le 28-02 plus 40 euros. Voilà. Alors, je ne vais mettre que 20 euros. Et je prends des jeux tous les mercredis. Alors, je verrai si je gratterai avec vous tous les. Et ici, il y a le loto foot 52 euros. Mais je pense qu'il manque 100 euros, c'est ça. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a fait un petit peu comprendre. Je vous mettrai en barre de description, juste en bas là, les pour acheter si vous voulez acheter le Filofax sur AliExpress, les petites pochettes ici. Tout ce que j'ai pris, hein. Même les petites pochettes à zip. Ces petits carnets plus le petit Filofax, hein. Après vous pouvez l'acheter sur Amazon parce que je vais vous mettre aussi une description des deux personnes qui moi j'ai appris, hein. J'ai appris comment gérer mon budget avec des enveloppes. Eux ils commandent sur Amazon. Et ils ont aussi leur site d'internet pour. Puis les petites pochettes, c'est moi qui les fais. Voilà. Hein, j'ai une plastifieuse. J'ai regardé. Il y a un tuto qui est dedans. Mais par rapport au Filofax, les dimensions de ces petites pochettes qu'elle fait voir en tuto, une des deux, moi, ici, il faut enlever 2 cm de longueur. Pas de largeur, mais de longueur. Elle compte 17,5 sur 9,5. Moi, j'ai fait 15,5 sur 9,5 ou 9. Mais c'est 9,5 de large et 15,5 de longueur. Pour que ça puisse être. Parce que ça dépassait. Sinon, ça dépasse. Ce sera un peu plus petit que celle qu'ils achètent sur Amazon. Voilà.
Bon, j'ai fini cette vidéo. Je vous mettrai une autre vidéo pour vous faire voir mon week-end avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Parce que là, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Et je veux pas non plus qu'elle dure des plombes, on va dire. Voilà. Bah, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour le budget des enveloppes. Sûrement pour la fin de semaine, bah, dimanche prochain. Je vous mettrai ça ou lundi. Voilà. Bisous à vous tous, à très très bientôt, bye bye!